Voilà, chers amis, nous arrivons à la fin de cette semaine, là où on a démarré notre entretien, notre méditation. Ça a été assez formidable. Formidable, fantastique. Nous avons passé de très bons moments avec le Seigneur. Hein. Donc, la semaine, le début de la semaine, en tout cas, Dieu nous a fait du bien par rapport à sa parole. Et surtout le livre de Colossiens, parce qu'on avait commencé avec Colossiens, vous avez vu, où Dieu nous a parlé qu'on devait s'attacher aux choses célestes. La liberté de Christ et la nouvelle vie. Oui. Et j'espère vraiment que ces paroles nous ont fait beaucoup, beaucoup de bien. Et le problème, ce n'est pas seulement d'écouter ou de partager la parole, mais c'est surtout sur la pratique. Oui, c'est ce que la Bible dit, « Heureux êtes-vous qui connaissez ces choses, pourvu que vous les mettiez en pratique. » Oui, c'est le désir de Dieu, mais je crois que c'est la partie la plus difficile. C'est la pratique. Écouter, c'est une chose, et puis bon, allez, pratiquer, c'est là où ça devient un véritable challenge. Mais voilà pourquoi nous voulons prier Dieu pour qu'il puisse nous aider et nous accompagner pendant ce temps, et tout en vous saluant, hein, nous espérons que vous vous portez bien. Vous portez bien. C'est toujours un honneur quand nous nous retrouvons autour de notre émission et votre émission préférée. Certainement, je médite. Une émission que j'aime beaucoup. Moi, personnellement, ça me fait beaucoup de bien de partager cette parole. Et également, oui. Moi aussi. Alors, il faut mettre du temps à part. Et juste un conseil, et surtout, nous sommes pendant tout ce mois de jeûne de prière, vous savez, on a commencé depuis lundi, hein, on a commencé depuis lundi 7 mai 2018, bien sûr, et nous avons ce temps-là de jeûne. Allez, il faut encourager les gens qui prennent un peu de force. Et oui, hein, n'oubliez pas, l'homme ne voit pas du pain seulement. Ah. Et de toute parole... qui sort de la bouche de Dieu. Mais c'est quand même difficile de s'en débarrasser du pain. Mais il y a un temps pour toutes choses. Voilà, nous allons prier pour recommander cette histoire parce qu'on va conclure avec le livre d'Ezra, ce scribe versé dans les Écritures qui est également sacrificateur aussi, hein, qui a expérimenté le temps de jeûne et de prière. Donc nous voulons prier avec vous, bien sûr, et les membres de vos familles. J'avais dit l'autre fois de créer des cercles d'amis. Hein, même à l'école, à l'université, en famille, entre collègues de service pendant un petit temps de repos pour que nous puissions partager ce temps de la parole. Oui, c'est comme la parole, il est doux et agréable pour... Des frères de demeurer ensemble. Tu as toujours un bonhomme. Alors, nous allons prier. Nous allons prier le Seigneur et notre Père. Notre Dieu et notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu as accompli tout au long de la semaine. Merci pour la force que tu nous as donnée de jeûner, de prier dans ces marathons, Seigneur, que tu as ouvert pour nous. Et nous croyons que tu nous accompagnes. Et non seulement qu'on a commencé, mais on y arrivera. Merci encore de répandre ton esprit, de me donner ta force, parce que tu es passé par là, tu l'as fait, tu l'as accompli, et avec victoire. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous prions pour nos frères et sœurs, avec qui nous partageons cette parole de ce temps. Au nom de Jésus, en cette fin de semaine, pour la gloire, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors, je voudrais sans plus tarder commencer la première partie, faire la première lecture du livre d'Esdras. Esdras, au chapitre 9, à partir du verset 5 au verset 9, je lis la parole de Dieu. Alors, puis au moment de l'offrande du soir, je m'élevais du sein de mon humiliation, avec mes vêtements et mon manteau déchirés. Je tombais à genoux, j'étendis mes mains vers l'Éternel, mon Dieu. Et je dis, mon Dieu, je suis dans la confusion et j'ai honte. Ô mon Dieu, de lever ma face vers toi, car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux. Depuis le jour de nos pères, nous avons été grandement coupables jusqu'à ce jour. Et c'est à cause de nos iniquités que nous avons été livrés. Nous, nos rois et nos sacrificateurs, aux mains de rois étrangers, à l'épée, à la captivité, au pillage et à la honte qui couvre aujourd'hui notre visage. Cependant,
L'Éternel notre Dieu vient de nous faire grâce, écoutez très bien, en nous laissant quelques réchappés et en nous accordant un abri dans son saint lieu afin d'éclaircir nos yeux et de nous donner un peu de vie au milieu de notre servitude. Wow. Car nous sommes esclaves, mais Dieu ne nous a pas abandonnés dans notre servitude. Il nous a rendus les objets de sa bienveillance, des rois et des perses, pour nous conserver la vie afin que nous puissions bâtir la maison de notre Dieu et en relever les ruines, et pour nous donner une retraite en Juda et à Jérusalem. Alors je continue, je poursuis encore la lecture. Là je lis à partir du verset 10, voilà, je lis la parole de Dieu. Et maintenant, ô notre Dieu, que pouvons-nous dire après ce qui est arrivé? Oui, nous avons abandonné les commandements que tu nous as donnés par tes serviteurs, les prophètes. Tu nous avais prévenus en disant, le pays que vous allez posséder est impur. En effet, les gens qui l'habitent sont impurs. Et ils l'ont rempli partout d'actions horribles. Ne donnez donc pas vos filles en mariage aux fils de ces étrangers. Ne choisissez pas parmi eux des femmes pour vos fils. Ne cherchez pas à rendre ces gens-là riches et heureux. Alors vous deviendrez forts, vous mangerez les bonnes choses du pays et vos enfants pourront hériter de tout cela pour toujours. Ô notre Dieu, tous nos malheurs sont arrivés parce que nous avons fait le mal. Oui, nous sommes vraiment coupables. Pourtant, tu n'as pas considéré nos fautes comme elles le méritaient. Tu nous as permis de rester en vie. En nous qui sommes ici, alors est-ce que nous pouvons recommencer à désobéir à tes commandements? Est-ce que nous pouvons encore nous allier par des mariages à ces gens détestables? Est-ce que tu ne vas pas te mettre en colère contre nous et nous détruire tous sans exception? Seigneur, Dieu d'Israël, tu es juste. Aujourd'hui, tu as permis à quelques-uns d'entre nous d'être encore vivants. Nous sommes en effet devant toi avec nos fautes et pourtant personne ne peut se tenir en ta présence dans une situation semblable. Parole du Seigneur. Et la dernière partie, je prendrai juste quelques extraits de ce même livre de Esdras, au chapitre 10 cette fois-ci, du premier verset au verset 6, et puis ça sera notre conclusion, parce qu'on est en train de conclure toute la semaine de la méditation avec ces trois dernières lectures. Esdras est à genoux devant le temple, il pleure. Il prie et demande pardon à Dieu. Pendant ce temps, une assemblée très nombreuse d'Israélites, hommes, femmes et enfants, se rassemblent auprès de lui. Tout le monde pleure beaucoup. Alors Shekania, fils de Yael, de la famille de l'âme, dit à Esdras, « Nous avons mal agi envers notre Dieu en prenant des femmes étrangères parmi les gens de ce pays. Mais maintenant, il y a encore un espoir pour le peuple d'Israël. Nous pouvons nous engager envers notre Dieu et renvoyer toutes ces femmes étrangères et leurs enfants. Ainsi, nous suivrons le conseil que toi et ceux qui respectent les commandements de notre Dieu ont donné. Agissons selon la loi, relève-toi parce que l'affaire te concerne. Et nous t'aiderons, courage et agis. » Alors Esdras se relève, il fait jurer au chef des prêtres et des lévites de tous les Israélites d'agir comme Shekania l'a dit, il le jure. Alors Esdras quitte la cour du temple du Dieu, il va chez Johanna avec Eliakim et reste là. Mais il ne mange rien et ne boit rien. En effet, il est triste à cause de l'infidélité de ceux qui sont revenus de l'exil. Quelle parole formidable. Bien aimé, c'est une parole qui est très très riche. Je ne vois pas comment dire commencer cette parole-là parce que ça m'interpelle beaucoup.
Vous imaginez un petit peu l'attitude que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons aujourd'hui. Et nous voyons Esdras qui commence par c'est au moment de l'offrande du soir. Dans cette version que j'ai ici, j'aime, moi, Esdras, à l'heure du sacrifice du soir. Hein? Comment on peut s'imaginer? Nous prions Dieu. Nous allons à l'église. Le matin, le midi, le soir. Hein? Nous prions toutes les sortes de prières. Mais quand nous sortons de cette prière-là, la prière a pour rôle aussi de nous révéler notre état de péché. C'est aussi le rôle de la prière, en fait. Allez, prier, c'est quoi, en fait? Prier, c'est aussi aller consulter Dieu. Prier, pour moi, je le considère comme étant, nous allons au contrôle technique de notre vie. Quand nous rentrons au contrôle technique, pour ceux qui ont des voitures, on nous montre les fautes, les diagnostics, les choses qui sont avec obligation, justement, de changement. Comment on peut rentrer dans un contrôle technique, puis on y ressort? Non, quand on va à la prière, Dieu nous révèle notre nudité. Dieu nous révèle notre état. Je ne sais pas comment ça se passe, en fait. Parce que quand nous allons devant Dieu, non, on ne peut rien lui cacher. La Bible dit qu'Esdras, quand il sort à l'heure de la prière du soir, c'est la servante de Dieu. C'est le temps de dévoilement. Le dévoilement, comme tu as dit. La présence de Dieu nous dévoile. Les écailles tombent. Je dois reconnaître que je suis pécheur. Je dois reconnaître que je suis petit. Je dois même reconnaître que je n'impute même pas la faute à l'autre. Parce qu'Esdras, en fait, vous remarquez, en fait, quand il sort de là, écoutez, la prière a interpellé tellement sa conscience, parce qu'il y a des moments où nous avons de fausses convictions. Nous avons de fausses convictions, nous croyons être vraiment vrais ou dans le vrai, alors que dans la présence du Seigneur, la prière nous révèle, en fait. Et ça nous dévoile ce que tu as dit. C'est que nous sommes vrais. Oui, c'est que ce que nous faisons, en fait, oui, en dehors, peut-être en dehors de la parole de Dieu. Alors, ce que j'aime, il se dit, c'est, je tombe à genoux et les mains levées vers le Seigneur, mon Dieu, je lui adresse cette prière, mon Dieu, j'ai honte. J'ai trop honte pour oser. Mais écoutez-moi très bien. La Bible dit ceci, j'aime cette parole de Proverbe. Hein. La prière d'un pécheur est une abomination devant Dieu. Alors je m'interpelle toujours. Vous savez, il y a deux types de pécheurs. Il y a le pécheur condamné et pardonné. Et le pécheur pardonné. OK? Le pécheur condamné, il s'en fout de tout. Le pécheur condamné de son problème, c'est, ils étaient deux sous la croix. Il y en a un qui s'est dit, écoutez, si tu es vraiment fils de Dieu, sauve-toi et sauve-nous. Mais il y en a un qui avait le cœur contrit, qui reconnaissait ses fautes. Moi, je crois qu'en lieu et place d'accuser les autres, de montrer les autres leurs fautes, nous devons, dans la réalité, nous interpeller nous-mêmes. N'est-ce pas, Servant de Dieu? Exactement. Et surtout que, je vais juste rajouter, que surtout que l'enfer n'a pas été créé pour toi. Nous, donc, on doit avoir une autre attitude même devant Dieu lorsque nous sommes dans sa présence, lorsque on nous appelle chrétiens ou nous sommes des chrétiens. Donc, tu sais, ça me rappelle les paroles de William Booth qui dit ceci. Nous, aujourd'hui, nous voulons vivre un christianisme sans le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit. Il dit, nous voulons vivre un christianisme, le ciel sans l'enfer. C'est pas possible. Il dit, mais c'est pas possible. Qu'on porte le nom de chrétien, qu'on ne puisse pas avoir des comptes à rendre avec l'Esprit de Dieu. Parce que là ça m'interpelle beaucoup. Il dit, j'ai honte. Est-ce que ça nous arrive d'avoir honte quand nous péchons? Parler du Saint-Esprit, être chrétien sans une vie de consécration. Ça n'a pas de sens. Est-ce que nous avons encore honte aujourd'hui? Parce que quand on pêche, on doit avoir honte. Honte de Dieu, honte de soi-même. Honte de l'Esprit de Dieu quand même. Oui, c'est ce qu'il a dit. Il a dit même, j'ai honte, j'ai trop honte d'élever. Il dit, j'ai honte d'élever, d'oser lever mon visage. Et là, ça m'étonne aujourd'hui. Vers toi. On pêche, on s'en vante même. On pêche, c'est sans vergogne.
C'est comme si c'était autorisé à la fois d'être chrétien, d'avoir deux femmes à la fois, d'avoir des copines, de faire la fornication, mener une vie vraiment... Non, ça n'a pas de sens. Et ce sont des éléments qui prouvent à suffisance qu'on n'a pas Christ, qu'on n'a pas encore rencontré. Ésaïe, j'ai honte. À cause de nos fautes, nos rois, nos prêtres. Ça, j'aime beaucoup. Je voudrais dire, c'est à cause de nos fautes. C'est-à-dire que nous, chrétiens, nous ne savons pas soutenir nos pasteurs. Nous ne savons pas soutenir nos églises. Nous ne savons même pas, bien aimé, prendre soin de notre patrimoine à nous. Et ça, c'est le regret, il dit, à cause de notre faute. À cause de notre faute. Voilà. Parce que ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas obéi au commandement de Dieu. Mais aujourd'hui, tout le monde pleure. Ah, nos pasteurs, ah, nos églises. Ici, il dit ceci, à cause de nos fautes, nos rois et nos prêtres. Nous avons été livrés au pouvoir des rois étrangers. Ils nous ont tués, ils nous ont déportés. Nos serviteurs sont devenus aller s'agenouiller devant le roi de ce monde, aller faire des lèche-bottes. C'est la honte. C'est la honte. Oui. C'est la honte. Ils s'agenouillent. Ils vivent pratiquement à genoux. On commence à prêcher un évangile de compromis. Il y a des choses qu'on leur demande de faire et de ne pas faire. Nous sommes dans une humiliation. Mais j'aime le Seigneur quand même. J'aime le Seigneur parce que Ezra a remarqué que malgré toutes ces choses, au verset 8, oui, Dieu leur a montré sa bonté. Sa bonté. Et Dieu, tu as permis à quelques-uns parmi nous de rester en vie. Mais nous ne restons pas en vie parce que nous avons un bon bilan de santé. Je ne sais pas qu'est-ce que tu m'en parles. Oui, mais c'est ce qui nous tue aujourd'hui, c'est peut-être pas, je dirais peut-être nous, en tant que chrétiens, ce qui nous tue, c'est peut-être pas les microbes, c'est pas peut-être la maladie, mais le péché. Mais justement. Le péché nous détruit. Ça, c'est la grâce. Tout le monde parle de la grâce. La grâce, c'est ça, en fait. Mais Dieu, oui. C'est ça la grâce. Dieu nous a accordé. C'est pas tout ce qu'on raconte des histoires de montage que nous faisons. C'est ça vraiment la grâce. Malgré nos fautes, malgré nos erreurs, péchés, Dieu permet que nous puissions rester dans le fidélité. Pays. Malgré notre fidélité. Ah, j'aime le Seigneur. Oui, notre Dieu, nous étions des esclaves. Mais toi, tu ne nous as pas abandonnés. Tu as permis que le roi des Perses soit bon envers nous et nous rende la vie. Alors, nous pouvons reconstruire ton temple. Non, je voudrais rendre grâce à Dieu parce que malgré nos péchés, malgré nos fautes, si Dieu nous garde en vie, c'est pour nous donner la possibilité de réparer. Il ne veut pas que nous puissions aller en enfer. Il ne veut pas que nous puissions nous perdre parce que Dieu a un plan de salut, de bonheur pour nous. C'est ce qu'il dit. Quelle grâce! C'est ce qu'il dit dans sa parole. Il ne désire pas la mort d'un pécheur. Mais il veut que celui-ci puisse se convertir, qu'il change et enfin qu'il vive. Et c'est ça, c'était les désirs vraiment de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Alors, je voudrais que nous puissions profiter de la vie. Profiter de la vie, non pas pour s'acheter des maisons, des voitures, tout ce qu'on veut pour vivre comme on veut la fête, la java, mais écoute, moi, mon frère, ma soeur, si Dieu nous garde en vie aujourd'hui, malgré nos péchés, malgré tout ce que nous n'avons pas fait de bon, Dieu nous garde encore dans le pays. Non, c'est pour que nous puissions reconstruire son temple. Nous avons détruit notre corps qui est le temple du Saint-Esprit par l'alcool, les addictions, et tout ce que nous avons mis à l'intérieur. Mais Dieu, nous avons détruit les autres aussi qui sont représentent le temple du Saint-Esprit. Nous avons fait du mal aux autres. Nous avons fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Non, Dieu nous donne l'occasion pour que nous puissions vivre, pour que nous puissions rebâtir son temple, réparer ses murs démolis et trouver un abri sûr à Jérusalem. Non, je voudrais vraiment que nous puissions, avant de terminer cela, Dieu nous a gardés comme des rescapés. Nous sommes des vrais rescapés. Parce que si Dieu devait vraiment appliquer son vrai jugement, personne ne serait sauvé. Alors, mais dans Ezra 10 pour terminer, c'est que j'aime en fait. Dieu les a prévenus. Ah, effectivement. Dieu a prévenu, mais malgré tout ce que Dieu a dit, mais le peuple a péché. Mais remarque ce qui se passe dans Ezra 10. Alors que Ezra était triste, pour voir comment on a désobéi à Dieu, j'aime cet homme-là, Shekania. Ah, j'aime. Ezra à genoux, en train de pleurer, bien-aimé. Mais la Bible dit ceci. Alors Shekania, fils Eiel, de la famille de l'âme, dit à Ezra, nous avons mal agi envers notre Dieu, en prenant des femmes étrangères. Donc c'est interdit de prendre, d'épouser une femme étrangère. Mais justement, ça c'était la loi. Mais aujourd'hui, quand on parle de la femme étrangère, nous avons vu des habitudes importées.
Nous avons ramené le feu étranger, beaucoup d'autres choses. Une femme païenne qui ne connaît pas les... Non, on ne parle pas de ça. C'est, prophétiquement parlant, on veut parler, quand on parle d'une femme étrangère, cela dit qu'on veut parler de ce qui est feu étranger. Ceux qui ramènent des doctrines contraires aux doctrines de la Bible, des choses qui n'ont rien à voir avec la chose, des choses que la parole de Dieu. Parce qu'il a insisté, il a dit ne donnez pas vos filles et vos fils. Dieu a insisté en ce moment-là, mais si on transpose ça d'aujourd'hui également, nous remarquons que nous qui sommes enfants de Dieu, il y a des choses avec lesquelles on ne peut pas. On ne peut pas se mélanger, on ne peut pas. Il n'y a pas de rapport entre. Et mélange de races. Il n'y a pas de rapport entre ce qui est profane et le sacré. Justement, ça c'est 2 Corinthiens 6, c'est en train de nous parler de ça. Il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres. Mais j'aime quelque chose. J'aime quelque chose que Chekania a dit ici, je vais le lire. J'ai beaucoup aimé. La Bible dit ceci. Alors, Chekania, fils de Jel, dit ceci. Écoutez. Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants. Selon l'avis de mon Seigneur et de ceux qui tremblent devant le commandement de notre Dieu et que l'on agisse d'après la loi. Cela veut dire quoi? Tout ce qui est chose intrue, tout ce que nous avons ramené de l'extérieur, les habitudes importées, les pratiques que nous avons introduites dans nos adorations, les danses, les pas de danse, la musique, voilà tout ce que nous avons ramené comme feu étranger dans l'œuvre, dans nos prédications. Même l'accoutrement aussi. Il y a tout ça, beaucoup de choses. Okay. Tout ce que nous avons importé. Et qui ne cadre pas avec la volonté de Dieu. Voyez-vous? Ce qu'on appelle les additifs. Vous voyez? Nous avons rajouté, ramené trop de choses qui n'ont rien à voir avec, que nous appelons louange qui n'est pas louange, que nous appelons adoration qui n'est pas forcément adoration. Et Dieu seul sait, toutes ces pratiques-là que nous faisons pourtant à l'Esprit de Dieu. Il dit, ça doit être une alliance. Pourquoi une alliance? Quand on fait une alliance, ça veut dire qu'on prend un engagement à ne plus répondre ces choses. Nous prenons un engagement ferme à demeurer justement dans la volonté de Dieu et n'est plus. Il dit, lève-toi car cette affaire te regarde. Nous avons besoin de Chekania aujourd'hui. Des hommes qui soient capables, qui prennent le courage de dire, lève-toi. Nous avons besoin de ces frères qui sont épris d'amour, qui aiment la vérité et qui veulent que la vérité soit établie. Qui ne dorment pas tant que la vérité n'est pas rétablie. Je dis à un frère, prends courage, continue de prier. Continue de prier et continue d'encourager les hommes de Dieu, ceux qui aiment Dieu. Aujourd'hui, ceux qui sont là, qui aiment la sanctification, on a comme l'impression que ces gens-là sont la cible, qu'ils exagèrent. Non, on fait bien. On fait bien quand on combat les antivaleurs. Et nous avons besoin de gens là qui encouragent, qui encouragent ceux-là, là, surtout les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu. Quand on parle de Chekania, c'est des Hur et Aaron, ceux-là qui sont capables de soutenir. Nous voulons prier. Et cette parole est pour nous tous, nous tous qui sommes enfants de Dieu. Quelque part, même dans notre manière de prier, nous avons ramené les valeurs importées, ce qu'on appelle les artifices. Dieu n'a pas besoin des artifices. On n'a pas besoin des choses inutiles à mettre autour de la parole de Dieu. La parole de Dieu est orthodoxe. Nous tenons à l'orthodoxie de la parole de Dieu. Parce que Dieu est tellement simple et nous devons prêcher Dieu dans toute sa simplicité. Nous voulons prier. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous te rendons nos plus actions de grâce. Aide-nous à être les originaux. Je veux rester original. Obéir. Seigneur, te bénir quand on a la télé, te bénir quand on a les rétroprojecteurs, te bénir aussi quand on n'en a pas. Seigneur, nous ne voulons pas en faire une histoire. L'important pour nous, c'est de t'avoir rencontré dans notre vie et dans notre cœur. C'est ça notre assurance, qu'on ira au ciel. Nous voulons te bénir et être comme le Chekania. Dire à Esdras, dire à nos leaders, Dieu, pour leur dire, levez-vous car cette affaire nous concerne tous. Nous ne voulons pas nous taire, nous voulons continuer à te célébrer dans la vérité. Reçois l'honneur, la magnificence et donne-nous la force parce que tu es notre Père. J'ai appris à remporter des victoires à gagner. Donne-moi la force à chaque instant pour être fidèle. Donne-nous ta force. Donne à l'Église ta force. Fortifie, Seigneur, ton peuple.
nous avons besoin de toi. Car nous avons de véritables victoires et des challenges à remporter. À toi la gloire, à toi l'honneur, dans le nom glorieux de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen, amen et amen. Continuez à vous abonner sur notre chaîne Orao Télécom. Bien entendu. Canal 142. Oui. Et sur YouTube. Maranatha Télévision. Sans oublier notre radio qui est sur www.maranatha-tv.fr. Vous savez, Dieu nous a fait la grâce. On a atteint modestement plus de 5000 auditeurs. Ça commence à monter quand même. Hein? Nous bénissons Dieu pour cet intérêt qui est autour de cette chaîne où nous passons du temps à la louange, à l'adoration, mais aussi à la parole de Dieu. N'oubliez pas également les réseaux sociaux sur Facebook, Instagram. Merci à vous de me rebénir. Bon week-end à vous tous. Et nous sommes dans les déserts, en jeûne et prière. Ne baissez pas les bras. Dieu nous donnera la force de continuer jusqu'au bout. De me rebénir au nom de Jésus. Amen, amen. Ok. À bientôt. Voilà, à très bientôt. Merci à vous.